Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés pour notre événement aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir vous rencontrer puis pour faire l'inauguration de l'hôpital vétérinaire Trifluvien, qui s'avère être une journée très importante pour nous. En fait, aujourd'hui, on faisait l'inauguration de l'hôpital vétérinaire Trifluvien, qui va être un hôpital vétérinaire urgence 24 heures ouvert à tous, qui va ouvrir ses portes ce mardi 21 mai. Le service, à la base, ça va être des soins vétérinaires, donc service de consultation, vaccination, chirurgie, dentisterie. On va aussi offrir un service de pension pour les animaux, autant les chiens que les chats. On a aussi un service de boutique spécialisé pour de la nourriture haut de gamme avec des articles pour animaux qui sont recommandés pour des problèmes vétérinaires puis pour gâter les gens quand ils viennent en rendez-vous. Puis éventuellement, on aimerait partir à un service de comportement. On a une technicienne qui est en train de faire son cours pour intervenir dans les problèmes de comportement. Donc, on aimerait offrir ça dans les prochains mois. Malheureusement, on est dans une région où il y a vraiment un manque au niveau des services d'urgence vétérinaire. Et on le remarque énormément quand on a un animal. Le service d'urgence qui existait auparavant, dans le fond, il y a certaines cliniques qui offrent un service d'urgence, mais à leur clientèle seulement, donc les gens qui ont été vus dans la dernière année. Donc, les gens qui allaient dans une clinique vétérinaire qui n'offrait pas de service d'urgence ou qui n'avaient pas été vus dans la dernière année étaient obligés de se rendre à Québec ou à Montréal s'il se passait quelque chose durant la nuit ou la fin de semaine, en dehors des heures d'ouverture. Puis, souvent, tu sais, quand ils ne vont pas bien, le délai pour se rendre à Québec ou à Montréal est très long. Puis ça peut mettre leur vie en danger, là. Samedi, le 18 mai, entre 10h et 16h, on va avoir notre porte ouverte qui est ouverte à tout le public. Puis on va pouvoir visiter nos installations, on va pouvoir expliquer certaines choses par rapport à la médecine vétérinaire. Donc, on serait bien content que vous vieniez. Puis on va offrir une taille de griffe gratuite pour les animaux, donc ils vont pouvoir apporter leur petit compagnon à quatre pattes. Un gros nez! Bonjour! Mais non! On peut pas t'aider, nous!